venue. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler avec vous de l'ensoleillement au Maroc. Pourquoi? Parce que ça devient un sujet de santé publique. Les dernières statistiques disent que l'ensoleillement au Maroc, c'est 300 jours par an. C'est énorme. Et donc, ce n'est pas uniquement dans un souci esthétique, ça va au-delà de ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu du rôle du pharmacien, du personnel de pharmacie par rapport à ce sujet. Alors tout d'abord, il faut comprendre que l'ensoleillement au Maroc, ce n'est pas uniquement quand on s'expose à la plage, pas du tout. L'ensoleillement au Maroc, c'est quand on marche dans la rue, puisque c'est 300 jours par an. Donc, quand on marche dans la rue, quand on attend dans les feux rouges, quand il y a un embouteillage, nous avons l'habitude, en tout cas ici à Casablanca, je ne sais pas pour vos villes, mais en tout cas, on peut passer même une heure en embouteillage, en plein soleil. Donc, vous pouvez imaginer l'impact sur notre peau. Je vais vous expliquer tout à l'heure quel est l'impact justement du rayonnement à travers les vitres. L'ensoleillement également, c'est quand on marche, on fait du sport, c'est également dans notre lieu de travail pour vous, pharmaciens, quand vous êtes en pharmacie. Ne croyez pas que quand vous êtes dedans, vous êtes protégé complètement, pas du tout. Il y a toujours des UV qui traversent et qui parviennent à vous atteindre. L'ensoleillement également, c'est les lieux de travail en général, c'est ces femmes paysannes qui cultivent dans les champs, par exemple, c'est le Maroc, nous avons l'habitude de voir ce cas de figure, c'est quand on va au marché du coin, le marché qui est découvert et quand on achète des fruits et légumes, ça aussi c'est un cas où il y a un ensoleillement intense, c'est quand on va faire du shopping, c'est quand on prend un café en terrasse avec nos amis. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler un peu, vu que j'ai 45 minutes, j'ai essayé de vous parler un peu brièvement par rapport à tout ce qui est radiation solaire et son effet sur la peau. À ce que ça veut dire une photoprotection. Il y a deux types de photoprotection et on doit le comprendre. Les points clés qu'offre la gamme Bariesan du Riage et puis les études faites dans ce sens-là. Alors nous allons démarrer par les effets de la radiation solaire. Avant de démarrer, j'ai trouvé que c'était un peu judicieux de vous poser quelques questions par rapport à l'ensoleillement en général. C'est des questions qui sont posées par le consommateur marocain et qui pose aux médecins, et je suis sûre qu'à vous aussi, pharmaciens. Alors, il y a des gens qui disent qu'un ciel nuageux protège du soleil. C'est vrai ou faux? Complètement faux. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est un protecteur trompeur, comme on dit. Il est trompeur, mais finalement, les UV parviennent à nous atteindre. Alors, ils disent, les UV existent même dans l'ombre. C'est vrai ou faux? Des fois, c'est pire. Dans l'ombre, il y a ce qu'on appelle le phénomène de réverbération, où il y a une réflexion par rapport au type de sol. On va voir ça tout de suite. C'est vrai. Alors, les UV ne traversent pas les vitres. Pour les femmes qui conduisent, les hommes, parfaitement. Bon, on va dire que les UVB, ils sont arrêtés, mais les UVA, ils sont toujours là. Alors, les UV pénètrent jusqu'à 50 cm de profondeur d'eau. Quand on nage, tout à fait vrai. On nage, on se dit, ouais, écoutez, je suis protégée dans ma partie inférieure parce qu'elle est dans l'eau, donc c'est bon, je peux m'exposer un peu, ou sinon je peux juste protéger mon visage, c'est pas vrai. Là, les UV atteignent à 50 cm de profondeur d'eau. Alors, ils disent aussi, si on est bronzé, ben, on est bien protégé. Pourtant, c'est de la mélanine et ça nous protège. Alors, on est bien protégé ou pas? On est bien protégé peut-être un peu des UVB, mais pas du tout des UVA. Parce qu'on a longtemps cru que les risques du soleil, ce sont juste des risques par rapport aux UVB. Mais ça va au-delà de ça. Nous allons voir. Alors, les radiations solaires, en général, c'est ce que vous voyez en haut. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Bon. Il y a un pointeur ici, s'il vous plaît? Bon, je vais parler. C'est déjà bien.
Alors, il y a les rayons cosmiques, lambda, X et UVC, on passe, c'est pas intéressant. Ça n'atterrit pas ici, c'est-à-dire ça n'arrive pas au globe terrestre, heureusement. Si c'était le contraire, on aurait été brûlés. Il y a aussi les UV, les rayons UV, UVB et UVA. Ça, par contre, ça arrive. Merci beaucoup. Ça, par contre, ces rayons, ils arrivent au globe terrestre et ils atteignent carrément la peau de la personne. Alors, il y a les visibles. Les visibles. Alors, les visibles, c'est ce que vous voyez. C'est la lumière du jour que vous observez. Les visibles, ce n'est pas uniquement une seule couleur. Les visibles, c'est plusieurs couleurs. C'est le bleu, d'où l'appellation de lumière bleue. C'est le vert, c'est le jaune, c'est l'orange, c'est le violet. C'est plusieurs couleurs. Et il y a les infrarouges. Les infrarouges, c'est quoi? Les infrarouges, c'est juste la chaleur qu'on perçoit quand il y a du soleil. C'est juste de la chaleur. Ça n'a aucun impact sur l'être humain, sauf une vasodilatation, d'où la sensation de chaleur. Et puis, il y a les radios. Ben, les radios, ils ne font rien du tout. On en passe. Alors, ça, c'est juste pour vous détailler que la lumière visible, elle est entre les UVA longs et cette lumière visible que vous voyez ici. Il y a de toutes les couleurs. Mais vous avez certainement entendu parler par la lumière bleue. Ces derniers jours, où on dit que la lumière bleue est incriminée dans la récidive des taches brunes, elle est incriminée dans le vieillissement cutané en général. Donc, c'est juste à titre d'information. Alors, le rayonnement solaire également, il varie selon plusieurs facteurs. La saison, quand on est en été, c'est beaucoup plus d'ensoleillement que par exemple en hiver. L'heure, entre 12h-16h. 11h-13h, c'est le maximum. En fait, le 11h-16h, c'est de ne pas exposer les gens. Mais entre 11h et 13h, c'est le maximum d'intensité. OK? Alors l'altitude, sachez que pour chaque 300 mètres, 3% de l'intensité des radiations solaires est augmentée. C'est-à-dire pour chaque 300 mètres. Alors imaginez Flotopcal par exemple, vous aurez presque 45 à 50% de plus d'intensité du soleil. Donc juste pour vous dire qu'en altitude, on a vraiment, vraiment besoin d'être encore plus protégé. OK? Alors, la latitude, c'est par exemple à Hawaï ou donc les tropiques qu'on a l'habitude de visiter. Et donc là, faites attention, il faut absolument vous couvrir plus que par exemple sur Casablanca ou Rabat. Alors, il y a aussi le sol. Et là, je vais quand même expliquer par une diapo. Les sols, ça dépend de quel type de sol on parle. La neige, alors sachez que l'intensité des radiations solaires augmente de 80% quand il y a une surface qui est la neige, par exemple. Elle augmente de 17% quand il s'agit du sable. Et elle est de 5 à 20% quand c'est de l'eau. Et de 40% en profondeur, à 50 cm. 50 cm, c'est comme un miroir à un moment donné, puisque ça augmente de 40%. Alors, à part ça, il y a bien sûr, cela va atteindre notre peau. Et c'est là la discussion d'aujourd'hui. Comment les UVA et les UVB, et la lumière bleue en l'occurrence, va atteindre notre peau? Alors, je vous l'explique. Les UVB, ils vont atteindre principalement l'épiderme, à proportion, petite proportion au niveau du derme. Mais les UVA, ils vont atteindre une grande proportion du derme, en passant par l'épiderme. Pareil pour les visibles et les infrarouges, comme je vous ai dit, qui n'ont aucun effet nocif à part la vasodilatation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout simplement, il y a des effets quand ça va atteindre la peau. Il y a bien entendu des effets. Il y a des effets à court terme, des effets à long terme. Les UVA, les visibles et les infrarouges. Le premier effet, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon scientifique le phénomène de Mayrovski. Le phénomène de Mayrovski, c'est quoi? C'est une pigmentation immédiate. C'est quand on s'expose, je ne sais pas pour vous si ça vous arrive, on s'expose, c'est plus pour les peaux claires. Quand on s'expose, il y a comme des petites taches, je vais dire grises, qui vont se former
transitoirement et vont disparaître par la suite. C'est ça le phénomène de Mayrovski. Alors, il est dû à quoi? Il est dû aux UVA. Alors, il y a aussi la vitamine D grâce aux UVB, ben, j'en passe, la vitamine D, c'est la transformation du cholestérol par une cascade réactive, on en passe. Il y a les coups de soleil qui sont dus aux UVB, et ces coups de soleil, ils peuvent devenir graves. Il y a le bronzage, ça je parle en fonction de la chronologie du temps. Il y a le bronzage, la pigmentation, les UVA, à cause des UVA. Il y a l'épaississement de la couche cornée, ce qu'on appelle l'hyperkératinisation. Alors, l'hyperkératinisation, pourquoi? C'est un phénomène de protection de notre peau. C'est physiologique. Quand on s'expose, il y a une hyperkératinisation réactionnelle qui va nous protéger des UVA et des UVB. Et puis, il y a le photovieillissement principalement dû aux UVA, mais aussi dû des UVB. Et il y a le phénomène tout tant redouté qui est le cancer cutané. Sachez qu'un cancer sur trois, un cancer, je ne parle pas des cancers cutanés, tout cancer confondu, un cancer sur trois est un cancer cutané. Pour que vous imaginez un peu la fréquence et la prévalence des cancers cutanés. Donc 90% de ces cancers cutanés, c'est des carcinomes et 10% c'est des mélanomes. Mélanome, c'est quand vous avez par exemple un grain de beauté qui se transforme et devient un cancer cutané. C'est ça le mélanome. Et le mélanome, il est très gras parce qu'il est silencieux. On ne le détecte pas immédiatement. Généralement, on le détecte quand il y a des métastases. Donc, on sait un peu trop tard. Alors, il y a des bienfaits du soleil, bien entendu, comme la vitamine C, comme par exemple le booster le système immunitaire, parce que c'est grâce au rayonnement UVA et UVB, il y a une activation des cellules de l'engérance qui vont booster l'immunité. C'est aussi un activateur de bonne humeur, c'est lui qui active la sérotonine qui nous permet d'être contents relativement à des pays avec des pluies, comme par exemple tout ce qui est Danemark et tout, où ils ont le plus de taux de suicide. Ça, je pense que vous le savez, que ça aide justement à avoir moins de dépression. Et puis, ça régule aussi le sommeil avec la mélatonine. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre peau? Bon, ça, vous l'avez deviné, c'est l'épiderme, la couche cornée. Tout ça, c'est l'épiderme et ça, c'est le derme. Ces petites cellules-là, ce sont les mélanocytes. C'est elles qui fabriquent la mélanine pour bronzer. Je dis bronzer parce que c'est beau à voir, c'est agréable. Mais bronzer, ce n'est pas uniquement agréable, c'est dangereux aussi. Je vous explique plus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce mélanocyte? Comme vous voyez ici, ça, c'est une cellule mélanocytaire. Quand il y a une induction par les UV au niveau de la cellule mélanocytaire, ben, il y a des dégâts. Forcément des dégâts pour pouvoir donner de la mélanine. C'est quoi ces dégâts? La première des choses, c'est que ça va casser l'ADN. C'est grâce au fait que ça casse l'ADN qu'il y a un message, ce qu'on appelle les dédimères de thymine. Ce message va aller demander à la tyrosinase, qui est une enzyme, de couper la tyrosine et la transformer en mélanine. Et c'est comme ça que nous avons de la mélanine. Et donc, de la pigmentation, d'où le bronzage. Ok? Ça, c'est bien, ok, mais il y a des dégâts. Rappelez-vous que j'ai dit qu'il y a des dégâts au niveau de l'ADN. Ok, à part ça, comment ça se passe? À part ça, il y a aussi le fait qu'il y ait des radicaux libres. À part ça, il y a le fait qu'il y ait des radicaux libres. Ces radicaux libres également vont indirectement induire une fabrication de mélanine, encore une fois. Et à part ça également, il y aura de l'inflammation. Est-ce que vous saviez que l'inflammation induisait le phénomène de mélanogénèse, de pigmentation, l'inflammation? Ça vous arrive de voir des personnes qui ont par exemple, je ne sais pas, qui ont gratté ici, par exemple, ils se sont exposés et à un moment donné, il a dit que l'inflammation est devenue une tache brune. L'inflammation induit la mélanogénèse. Okay? Donc il y a trois phénomènes qui induisent la mélanogénèse. Les trois phénomènes induisent des dégâts au niveau de l'ADN.
Les dégâts au niveau de l'ADN, ils vont induire du bronzage. Mais au dépit de quoi? Au dépit d'une cassure au niveau de l'ADN. Heureusement, notre système physiologique permet de réparer cet ADN. Comment? Grâce à ce qu'on appelle le système NER, nucléotide excision re-replication, réparation du nucléotide par excision. OK? Alors, cette réparation se fait naturellement, systématiquement, spontanément. Tout va bien, la vie est belle. À un moment donné, ces NER vont s'épuiser. Chacun de nous a un capital en NER. À un moment donné, ils vont s'épuiser. Ils auront marre de se réparer à chaque fois et que à chaque fois cette personne s'expose et ils doivent se réparer leur ADN par la suite. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura le NER qui va s'épuiser, il y aura des mutations. C'est un signal d'alarme. Cette mutation nécessite l'intervention d'un gène bien particulier, ce qu'on appelle le gène P53. Ce gène, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout est lié. Okay? Tout est lié. Alors, ce gène P53 va permettre de faire trois choses. Soit il va dire à la cellule, arrête, tu fais plus rien, prends une pause, le temps que tu récupères et tu reprends et tu nous donnes un ADN qui est mieux. Okay? Soit il va dire à l'ADN, à cet ADN, tu meurs tout de suite, c'est l'apoptose. Okay? Soit il va la réparer tout simplement et tout va bien et on pourra reprendre notre vie normale. Maintenant, il y a un problème. C'est que à force de demander au PC-3 de fonctionner, à un moment donné, lui aussi, il est fatigué. D'où, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Bravo, monsieur, tout à fait. C'est les mutations menant à des cancers. D'où les cancers cutanés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce PC-3, avec un mécanisme de mTOR, ils sont très importants dans cette carcinogénèse. Très importants pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire une contrebalance. Un qui permet l'ADN. Et le deuxième qui permet une prolifération, mais une prolifération des fois, le mTOR, une prolifération qui peut être des fois tumorale. Donc, si le PCK3 est fatigué, bon, j'essaie de simplifier un peu pour vous rapprocher de l'image. OK? Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une contrebalance entre le PCK3 et le mTOR pour qu'à la fin, il y ait soit une mort cellulaire et tout ce qui est muté va mourir, ou sinon, il y aura une division cellulaire qui peut-être est tumorale. Alors, parmi les dégâts des UV, nous retrouvons ce qu'on appelle une protéine qui s'appelle la progérine. La progérine est une protéine UV induite. Cette progérine, elle fait quoi? Elle accélère le vieillissement. Je suis sûre que si je vous montre d'abord une photo, vous allez reconnaître un film qui a été fait par comment il s'appelle? Brad Pitt, Benjamin Button. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Benjamin Button, c'est ce. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce film? C'est à voir si jamais vous n'avez pas vu. C'est quoi? En fait, c'est une maladie où la progérine est surexprimée. Donc, du coup, la personne vieillit prématurément dès la naissance. Et parmi justement les conséquences de l'exposition solaire, c'est la surexpression de la progérine. Donc, y a ça. Parmi aussi les conséquences d'une surexposition solaire, on trouve le raccourcissement des télomères. C'est quoi les télomères? Les télomères, c'est cette partie distale du chromosome. D'accord? Tant que vous avez des télomères qui sont longs, tant que vous êtes jeune, jeune, que ce soit physiquement, que ce soit biologiquement, tant que vous avez des télomères qui sont raccourcis courts, ça veut dire qu'il y a un photovieillissement. OK? Donc, ça reprend un peu ce que je viens de vous raconter. Alors, il y a aussi une dernière chose qui est très importante comme dégât des UV, c'est l'hyperexpression de la collagénase. Alors, c'est quoi? C'est un destructeur du collagène, pardon. Le collagène, il intervient comment? Il intervient dans le rajeunissement.
tout simplement. C'est une fibre qu'on retrouve au niveau du derme et qui permet le soutien du derme. Et donc, qui dit ce soutien dit fermeté de la peau. Une fois que cette collagénase est hyperactivée, donc du coup, elle coupe le collagène, il y aura moins de fermeté au niveau de la peau. Voilà. Donc, si on souhaite un peu récapituler ce que je viens de dire, et si on prend une cellule qui est le kératinocyte et on l'expose à des UV. Qui dit UV dit des radicaux libres, on a vu tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dégâts de l'ADN. Heureusement, il y a le système NER qui va intervenir, qui peut être dépassé à un moment donné, et le PC-Contrôle va prendre le relais. Voilà. Donc, le PC-Contrôle va être activé avec le mTOR. Après, il y aura quoi? Un raccourcissement des télomères. Il y aura une hyper-expression de la progéine. Et latéralement, il y aura une activation du collagénase. Jusque-là, c'est bon? Alors, bien entendu, avec tout ça, il y aura une perte en eau, un dessèchement cutané. C'est pour cela que toutes les crèmes solaires revendiquent l'hydratation parce que ça, c'est le premier critère que nous perdons pendant notre exposition solaire. Alors, j'ai quand même une phrase importante à vous citer d'un dermatologue très connu qui a eu beaucoup de prix sur ses recherches, en tout cas celle de 2008, où il dit que normalement, c'est ça ce qu'il a dit. Et après, il a repris en disant « Être bronzé, c'est donc trop tard. Car l'ADN a déjà subi des dégâts. La protection naturelle anti-UV se fait, mais à un prix cher. » C'est ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. En fait, ça se fait, oui, c'est bien. Mais à quel prix? Nous avons perdu beaucoup de choses en parallèle. Donc, du coup, ce capital, il faut le préserver dès le jeune âge. Dès le jeune âge, c'est pour ça qu'on interdit aux enfants de s'exposer, qu'on interdit une exposition excessive, qu'on interdit des horaires d'exposition. Il y a beaucoup de recommandations à donner dans ce sens. Et vous êtes les plus proches à ces consommateurs, à ces patients, pour justement donner ce genre de conseils. Alors, c'est quoi la photoprotection? Il y a deux types de photoprotection. Il y a de la photoprotection naturelle, ce que nous avons, physiologiquement. Il y a une photoprotection artificielle. La photoprotection naturelle, c'est votre couche cornée. Je vous ai parlé tout à l'heure d'hyperkératinisation réactionnelle. C'est une façon de nous protéger. La photoprotection naturelle, c'est aussi le système pigmentaire. C'est quand on bronze. C'est une façon de nous protéger, mais pas complètement. On en a parlé tout à l'heure. Alors, le système de réparation de l'ADN, le NER, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, le système de protection naturelle, je vous ai dit la pigmentation, sachez que les phototypes 6, ils sont 30 fois plus protégés que les sujets à peau claire. 30 fois plus protégés. C'est pour ça que les sujets à phototype 6, quand on veut leur prescrire des photoprotecteurs, on n'est pas obligé de leur donner forcément un 50+. On peut se contenter d'un 30. Mais cela dit, dans un pays comme le Maroc, avec le risque de taches et tout, on leur donne quand même le 50+. Alors, je vous ai parlé du système de réparation de l'ADN, qui est le NER, la photoprotection grâce à l'acide hyaluronique, qui est sécrété par la sueur, qui est photoprotectrice également. Et il y a les cheveux et les poils. Les personnes qui ont les plus poilues sont les plus protégées. Comme quoi, ce n'est pas toujours un défaut. C'est un avantage. Alors, il y a aussi la photoprotection artificielle, les vêtements. Là, je vous pose la question, quel type de vêtements, à votre avis? Qu'est-ce qu'on doit porter? Chapeau, oui, mais pas du tout, alors. Pas du tout. Pas de blanc. Il laisse traverser les UV, le blanc. Il faut l'opaque. Tout ce qui est opaque, tout ce qui est noir, tout ce qui est couleur foncée, exactement. Tout ce qui est jean, tout ce qui est polyester, tout ce qui est tissage serré. Vous avez compris? C'est complètement faux de mettre des couleurs claires qui vont protéger ça. Ça n'a aucun sens. Au contraire, ça laisse passer les UV. Alors, et il y a aussi les photoprotecteurs artificiels, les sunscreens, les écrans. OK? Alors, il faut savoir qu'il existe trois types de photoprotecteurs. Il y a les écrans minéraux,
Il y a les filtres chimiques, il y a les écrans organiques. La différence entre les trois, c'est juste leur façon d'agir, leur mécanisme d'action. Alors, leur mécanisme d'action, c'est quoi? C'est que les filtres minéraux sont comme un miroir. Ils permettent la réflexion des UV. C'est comme un miroir que vous mettez sur votre visage. Ça, ça laisse entrer rien du tout, tout ce qui est minéral. Le seul, je veux dire, inconvénient, plus ou moins, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une texture parfaite par rapport à ce type d'écran. C'est malheureusement un peu blanchâtre, donc du coup, ça dérange les femmes en général qui veulent quand même avoir une composante esthétique lors de l'application d'un écran solaire. Et puis, il y a aussi les filtres organiques. Comment ça agit? Ben, par absorption. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont absorber les UV, ils vont le transformer en une chaleur imperceptible que vous n'allez pas sentir du tout. C'est un mécanisme d'action chimique qui va transformer les filtres en une chaleur imperceptible et qui va vous protéger, bien entendu. Ce qui est bien dans les filtres organiques, c'est qu'on arrive toujours à faire une belle texture. Donc du coup, avec ça, esthétiquement parlant, vous avez gagné. Alors les différents filtres minéraux et organiques, c'est ça. Regardez, anti-UVB, anti-UVA. Nous avons trouvé une combinaison partout pour protéger des UVB et des UVA. Remarquez que les filtres minéraux protègent des UVB, des UVA et des visibles. Nous n'avons aucune protection des visibles par les, filtres organiques et chimiques. Par contre, si vous voulez un filtre organique et chimique, s'il n'est pas teinté, vous ne pouvez jamais revendiquer qu'il peut protéger contre la lumière bleue. Toutes les marques qui revendiquent que leur produit est à base de filtres organiques et qui protègent contre la lumière bleue, c'est very, very fake, comme on dit. C'est du n'importe quoi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de protection contre les visibles si la crème n'est pas teintée. L'idéal, c'est de l'oxyde de fer. L'essentiel, c'est qu'elle soit teintée. Seule la teinte protège contre la lumière visible. Donc, deux choses qui protègent contre la lumière visible, c'est un solaire teinté et les filtres minéraux. Les UVA, les UVB sont bien protégés contre... les filtres organiques protègent bien contre les UVA et les UVB. Mais par contre, pour les visibles, pas du tout. OK? Sauf s'ils sont teintés. Je reprends. Sauf s'ils sont teintés. Jusqu'à là, c'est bon? Alors, les informations que doivent figurer dans un produit solaire, c'est bien entendu l'indice de protection. Qui dit indice de protection, automatiquement, on parle de classe de protection très haute, haute et moyenne, ainsi de suite. Le logo UVA, qui est très important. Et puis, la longueur d'onde, qui doit être supérieure à 370 nanomètres. Alors là, je viens et je prends le temps de vous expliquer ce graphe, pourquoi. Parce qu'on a beau essayer de revendiquer partout que notre produit X protège à un SPF 100, donc il protège parfaitement des UVA et des UVB de la vision, mais quelle est la dose que vous avez appliquée au moment où vous voulez vous protéger? C'est une étude qui a été faite en 2008 par un monsieur et qui a évalué les SPF dans le laboratoire, un SPF 15, un SPF 30 et un SPF 50. Il a remarqué qu'il protégeait à 90% des UVB. Le SPF 30 protégeait à 96% des UVB. Le SPF 50 à 98% des UVB. Mais là, on était à quelle dose? C'est ça la question. On était à 2 mg de la crème par centimètre carré. Vous allez me dire, c'est quoi 2 mg? Non, 2 mg. 2 mg, vraiment. Et là, on parle du corps. Hein. Alors, pour vous, illustrer un petit peu ce que ça veut dire 2 mg par centimètre carré sur un corps normal. Pas genre moi, un corps normal. Alors, si vous voulez, je vais vous l'illustrer par une balle de golf. C'est une balle de golf. C'est 30 grammes de crème. Imaginez quelqu'un qui veut s'exposer et à chaque fois utilise un tube de 30 grammes pour avoir les 96% de protection des UVB.
On ne le fait pas. On doit être honnête. On ne le fait pas. On ne le fait jamais. Donc, du coup, on s'était dit, on a ce problème-là de dose. On n'applique pas vraiment ce que le laboratoire demande pour avoir cette efficacité escomptée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'était dit, qu'est-ce qu'on applique réellement? Alors, ce qu'on applique réellement, c'est juste 25% de la quantité du laboratoire. C'est 0,5 mg par centimètre carré. Vous imaginez 0,5 mg. Et si je vous mets ça sur un tableau pour voir ce que ça donne, vous allez être étonné. Ça, c'est une étude de Yang qui a été publiée dans le journal académique qui montre chaque SPF par rapport à la quantité appliquée. Nous sommes ici, 0,5 mg, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes là. Alors, pour un SPF 50+, qu'on utilise quotidiennement, réellement, là, c'est du 19. Vous imaginez quand vous faites avec le petit bout d'écran et vous essayez d'étaler les 0,5 mg de 50+, ça switch vers le 19. Donc, du coup, c'était très judicieux de demander aux patients, finalement, d'utiliser les SPF à très haute protection. Yallah, on va arriver à une dose qui est plus ou moins significative de protection. Donc, ça, c'est juste pour vous parler un peu de ce que la photoprotection. On a vu que les méfaits du soleil, c'est les coups de soleil, c'est l'épaississement de la couche cornée, c'est les diminutions de la défense immunitaire, c'est surtout la teinte de l'ADN dont on a parlé qui va induire une pigmentation, vieillissement accéléré et les cancers cutanés. Maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est 1. On a besoin de vitamine D. Donc, il faut quand même un minimum d'exposition. Okay? 10 à 20 minutes d'exposition solaire. Visage et avant-bras, c'est suffisant pour avoir votre vitamine D. 2 à 3 fois par semaine. Okay? Évitez l'exposition pour les bébés et les jeunes enfants. Très important, à 1 à 4 ans. Pas d'exposition entre midi et 16 heures. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec un maximum d'intensité entre 13 heures et entre 11 heures et 13 heures, pardon. Et puis, se protéger le corps par les vêtements, on en a parlé tout à l'heure, les chapeaux, messieurs, dames, les chapeaux, pas les casquettes, pas les casquettes. Exactement. Nous avons remarqué, quand j'étais au CHU, qu'on avait beaucoup de cancers au niveau des oreilles, cancers cutanés. Bah, quand on faisait notre anamnèse, c'était logique. Une surexposition, il y a des gens qui vivaient, par exemple, dans les campagnes et tout, et qui ne se protégeaient jamais. Mais pas de casquette. Hein. Alors que seul le chapeau peut protéger vos oreilles. Et puis, qu'en est-il pour le visage, le cou, les mains et en cas d'exposition? Il faut appliquer un bond solaire toutes les 2 heures. Ça, c'est indiscutable. Il faut essayer de chercher un soin solaire barrière sur l'ADN. Il faut essayer de choisir un solaire barrière contre les radicaux libres et un anti-dessèchement, c'est-à-dire hydratant en même temps. Mais surtout, appliquer la bonne dose. C'est quoi la bonne dose? C'est ce que vous êtes en train de voir. Les deux premières phalanges, j'ai les deux dos. L'index et le majeur. Ça, c'est une vidéo juste pour vous introduire Barry Sun. Est-ce que vous connaissez le produit Barry Sun? Alors Barry Sun, son nom, vient de barrière Sun. Et donc barrière contre le soleil. Et on a essayé avec Barry Sun de protéger contre tous les méfaits dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai cités, que ce sont des méfaits bien entendu physiopathologiques. On a essayé de cadrer un peu la situation. Premièrement, toute la gamme Barry Sun contient de l'eau thermale d'Uriage, ça vous le savez.
L'eau thermale d'Uriage, elle a une histoire, elle existe depuis 75 ans, elle traverse les roches pour se concentrer en minéraux et éléments, c'est la plus riche du marché, elle est à 11 grammes par litre. Pourquoi 11 grammes par litre? Pour permettre toutes ces propriétés que vous voyez ici. Elle hydrate, apaise, protège, cicatrise, antioxydante, filmogène. Donc en elle-même, c'est un soin. OK? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé l'efficacité de cette eau, mais là, aujourd'hui, on va parler juste de l'étude qui concerne la photoprotection. Là, c'est ce qu'on appelle l'étude des comètes. L'étude des comètes consiste à quoi? À mettre, par exemple, de l'ADN ici, c'est une zone non traitée de l'ADN, et de l'irradier avec des UV, et de la suivre. Si Hadi, elle se déforme, ça veut dire qu'il y a une atteinte de l'ADN. Si elle ne se déforme pas ou se déforme peu, ça veut dire qu'elle a été bien protégée. C'est le cas à l'application de 30% des UV. Remarquez que la déformation, comparativement aux autres applications, elle est plus protégée et surtout l'opacité est préservée. Ça veut dire que l'ADN a été préservé. Alors, il n'y a pas uniquement que l'effet antiradicalaire de l'eau thermale d'Uriage, il y a aussi ce qu'on appelle le brevet télomère protect. Je vous ai parlé tout à l'heure des télomères. Je vous ai dit que justement, à force de s'exposer, les télomères se raccourcissent. Tout à fait. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a une innovation brevetée chez Uriage. On l'a brevetée et on l'a appelée le brevet télomère protect. C'est quoi? En fait, vous allez voir ici que c'est un nom assez barbare, mais qui veut dire beaucoup de choses. L'extrait d'Arthrospira platensis. Mais ici, vous reconnaisseriez plus facilement les phycocyanines, qui sont des antioxydants très puissants. Et donc, le rôle des phycocyanines, c'est quoi? C'est de protéger l'ADN de ce photovieillissement. Donc, du coup, nous avons fait des études pour prouver justement l'efficacité de ce télomère protect. Et comment nous allons juger s'il est efficace ou pas? Tout simplement, on va prendre les paramètres qu'on a vus tout à l'heure, qui sont atteints en cas d'exposition solaire. Vous vous rappelez, on a parlé de mTOR. Le mTOR, on a dit que ça induit une prolifération tumorale. La progérine, on a dit que ça induisait un photovieillissement. Et les télomères témoignent justement d'un photovieillissement. Alors, on a vu ces trois paramètres. Et ce qu'on a remarqué, c'est grâce au télomère protect, nous avons moins 65% de l'activation de mTOR, ce qui est très significatif pour cette étude. Nous avons moins 78% de la production de la progérine. Et nous avons moins 37% de raccourcissement des télomères. Nous pouvons donc conclure que le télomère protect prévient du photovieillissement. Ces études ont fait objet de plusieurs publications partout, dans l'American Academy of Dermatology, dans l'European Academy of Dermatology, les réalités thérapeutiques à Paris, au JDP, partout sur Internet, vous allez retrouver partout. Alors, nous avons également un brevet de Uriage qui s'appelle le brevet Barry-Esslin. C'est quoi le principe? C'est qu'il ne suffit pas de mettre des filtres et de laisser la peau agir. Nous avons mis des filtres et on les a accompagnés par des polymères. Ces polymères, ils vont mettre comme une couche superficielle qui ne va pas laisser les filtres rentrer à l'intérieur et donc ils vont optimiser la photoprotection. Ils vont rester à la surface, donc ils vont protéger le maximum possible dans le temps, chronologiquement parlant. Voilà, ça c'est le brevet Barry-Esslin. Alors, il y a aussi une dernière chose, de la vitamine E et de l'aquaspongine qui ont un effet anti-déshydratation. On a parlé tout à l'heure de la perte insensible en eau. Et donc, tout ça a été obtenu avec une texture qui est très plaisante. On est arrivé quand même à avoir un beau produit avec 4 filtres seulement et une texture qui est très plaisante et très agréable pour ceux ou celles qui le connaissent. Alors, la gamme, c'est ça. C'est ce que vous voyez ici. Nous avons Barry-Esslin crème hydratante, invisible, teintée claire, teintée dorée, le fluide matifiant, Barry-Esslin léger ou l'élastique invisible, le minéral, le fluide anti-tache, Barry-Esslin fluide anti-tache. Il y a celui-là et celui-là qui sont nos best-sellers, la crème hydratante. Même là, le fluide est caoudin. Même le fluide est un best-seller chez nous. Alors voilà, donc
Et puis, pour prouver l'efficacité de Barry et San, nous avons eu recours à faire coïncider avec la loi qui dit qui fait le plus, fait le moins. Donc, ce qu'on a fait, on a essayé de prendre les cas les plus extrêmes dans la photoprotection pour voir si ça marche, c'est que ça va marcher chez les plus simples. On a pris des personnes qui ont des photodermatoses. Quand on dit photodermatose, c'est genre la lucite estivale, c'est l'éruption printanière, c'est l'urticaire solaire. Et on a pris aussi les dermatoses photoaggravées, genre le lupus, genre les mélasmas, genre le vitiligo. On a pris également tout ce qui est photosensibilisation due à la prise de certains médicaments, ça vous maîtrisez parfaitement. Et on leur a demandé d'utiliser Barry 5 pendant 3 mois, usage normal, quotidien, pour voir ce que ça donne. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait aucune réaction cutanée durant les 3 mois d'études. Pas d'érythème, pas d'œdème, pas de desquamation, pas de réaction de photosensitivité. Ça veut dire que le produit a été efficace et apprécié à 100% de tolérance. Nous avons également demandé, en collaboration avec Dr Sgal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dermatologue tunisien qui est spécialiste dans une spécialité assez particulière en dermatologie, mais précisément dans tout ce qu'on appelle le xéroderma pigmentosum. C'est ce que vous voyez ici. Alors, xéroderma pigmentosum, c'est une aberration au niveau de l'ADN, c'est chez ces gens-là. Leur NER ne fonctionne pas normalement. Ils ne réparent pas les dégâts de l'ADN qui sont dus aux UV. Donc du coup, à chaque exposition, il y a des dégâts graves. Il y a des cancers qui peuvent apparaître en quelques jours. Ok ? Donc c'est ça le xéroderma pigmentosum. Alors on voulait voir ce que ça donnait. Ces gens-là, ils sont interdits au soleil. Ils ne doivent pas s'exposer du tout. Mais on leur demande d'appliquer sans exposition parce qu'ils ne peuvent pas le faire avec les vêtements et tout. Ils sont obligés de mettre de la crème solaire même chez eux, même à la maison. Ils peuvent pas du tout rester sans crème solaire. C'est très grave pour eux. Alors, on a évalué, on a trouvé qu'il y a une diminution déjà de la xérose cutanée qui était significative, à moins 45% après une année, parce qu'on a évalué à 180 jours puis une année, ce qui est très bien. Ça veut dire que la xérose a diminué et le produit a été très hydratant pour eux. On a vu les macules pigmentaires, il y a une diminution de moins 1,3% pour les médecins, pour le Dr Sgal, c'est très très significatif parce que ces gens-là, comme on dit chez nous, LS bas, ils peuvent à tout moment avoir des lésions pigmentaires. Et puis, on a une diminution des lésions pigmentées avec aucun cancer cutané qui a apparu ou un précancer genre les kératoses actiniques. Aucun cancer n'a apparu durant l'étude, ce qui est très bien en lui-même, ce qui c'est que la photoprotection a été efficace à 100%. Voilà, donc ça c'est pour les études de Barry et San. Une dernière étude a été faite sur les coraux, parce que Barry et San, c'est pas uniquement l'efficacité sur l'être humain, c'est aussi sur l'environnement. Alors nous avons fait des études sur les coraux, nous avons également réduit notre consommation en plastique. Alors les études sur les coraux, je vais vous dire brièvement ce qu'on a fait, qui a été publié d'ailleurs dans des publications partout, c'est que tous les filtres qu'on utilise pour Barry et San n'ont pas modifié l'aspect des coraux. Vous allez voir par vous-même à 0, à 48 heures, à 96, tous les coraux restent eux-mêmes sans modification de l'aspect. Et puis en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, on est en train de faire une étude in vivo, c'est-à-dire pour voir tout ce qui est poisson et tout ce qui vit dans l'océan, comment il réagit face aux filtres des photoprotecteurs. Voilà, Uriage, ce n'est pas uniquement Barry et San, c'est aussi des photoprotecteurs spécifiques. C'est tout ce qui est d'épiderme, pardon, SPF 50+, c'est un anti-tache et un photoprotecteur très efficace. C'est aussi Iseac SPF 50+, pour les peaux mixtes à grasse à tendance acnéique, qui va matifier en même temps. C'est aussi Roséliane SPF 50+, qui va apaiser les rougeurs et en même temps protéger la peau. Et puis, c'est le Barry et Derm Psyka Crème. C'est pour les peaux qui sont lésées, altérées. Vous savez, même les gens qui ont des rides utilisent le Barry et Derm Psyka SPF 50+, parce qu'en même temps, cicatriser une ride, la ride, c'est une cicatrice. Il faut la cicatriser en même temps. Donc, ils utilisent le Barry et Derm Psyka SPF 50+, comme écran quotidien. C'est des prescriptions de dermatologues. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis là si vous avez des questions. Merci beaucoup.